Beckett aujourd'hui, autour d'un anniversaire, troisième volet, Godot 1953, ou la genèse d'une révolution théâtrale, avec Jean Martin, comédien, qui créa le premier Lucky de En attendant Godot, dans la mise en scène de Roger Blin à Paris. Le temps s'est arrêté. Ne croyez pas ça, monsieur, ne croyez pas ça, tout ce que vous voulez, mais pas ça. Il voit tout en noir aujourd'hui. S'enfle le firmament. Patience, ça va venir. Mais je vois ce que c'est. Vous n'êtes pas d'ici. Vous ne savez pas encore ce que c'est que le crépuscule chez nous. Voulez-vous que je vous le dise? Je veux bien vous satisfaire. Un peu d'attention, s'il vous plaît. Ah ben, qu'est-ce qu'il a, ce fouet? Il ne vaut plus rien, ce fouet! Qu'est-ce que je disais? Ne restez pas debout comme ça, vous allez attraper la crème! C'est vrai. Comment vous appelez-vous? Catulle. Ah oui, la nuit! Mais soyez donc un peu plus attentifs, sinon nous n'arriverons jamais à rien! Regardez. Veux-tu regarder le ciel, pas? Bon, ça suffit. Qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire? En tant que ciel, il est pâle et lumineux comme n'importe quel ciel à cette heure de la journée, dans ses latitudes, quand il fait beau. Il y a une heure environ, après nous avoir versé depuis bientôt 10 heures du matin, sans faiblir des torrents de lumière rouge et blanche, il s'est mis à perdre de son éclat, à pâlir toujours un peu plus, jusqu'à ce que flanc fini, il ne bouge plus. Mais, derrière ce voile de douceur et de calme, la nuit galope et viendra se jeter sur nous, comme ça, au moment où nous nous y attendrons le moins. C'est comme ça que ça se passe sur cette putain de terre. Au cours des représentations de la Sonate des Spectres, je me souviens très bien de Blin, enfin de Roger, me disant qu'une dame était venue lui apporter le manuscrit de deux pièces et qui trouvait tout à fait remarquable. Et un jour, c'était en 52, je rencontre Roger Blin qui me dit « Ah ben tiens, tu sais, une des deux pièces dont je t'ai parlé il y a quelque temps, je la monte à la suite de 1000 difficultés. » Il avait trouvé le théâtre de Babylone qui était dirigé par Jean-Marie Serrault. Et Serrault étant à l'époque quasiment en faillite et n'ayant plus rien à perdre, s'était dit, tout en reconnaissant la valeur intrinsèque de la pièce, s'était dit après tout, pourquoi pas celle-là, ça sera pas pire que tout ce que j'ai jusqu'à maintenant. Blin me dit, écoute, j'ai pas le texte de la pièce sur moi, j'ai seulement ma réplique. Est-ce que tu veux la lire? Oh, je lui dis, écoute, tu sais, une réplique, comment veux-tu que je me fasse une opinion sur une pièce? Et Blin me dit, oh, bah, si, lis-la, ça vaut quand même la peine. Et il me donne une feuille tapée à la machine, avec un texte assez important et très très serré, et je lis ça, je n'y comprends pas grand-chose, car c'était le seul texte que Lucky ait à jouer dans la pièce, et qui est un texte... Logoré. Logoré, oui. Récents travaux publics de Poisson et Wattman, d'un vieux personnel, à barbe blanche, en du temps de l'étendue qui du haut de sa divine apathie, sa divine attendue, sa divine aphasie nous aime bien, à quelques exceptions près, on ne sait pourquoi, mais ça viendra. Et souffre, à l'instar de la divine Miranda, avec ceux qui sont on ne sait pourquoi, mais on a le temps dans le tournoi, dans les feux, les flammes, pour peu que ça dure encore un peu, et qui peut en douter, mettront à la fin le feu aux poutres, à savoir porteront l'enfer au si bleu par moment encore aujourd'hui. Et calme, c'est calme, d'un calme où tu pourrais être intermittent, n'en est pas moins le bienvenu. Mais n'anticipons pas, et attendu d'autre part qu'à la suite des recherches inachevées, n'anticipons pas, des recherches inachevées, mais néanmoins couronnées par la...
l'académie dans propos, mépris. Ton père non, bref, de t'expliquer, connard. Il n'est établi sans autre possibilité d'erreur que celle afférente aux calculs humains. Qu'à la suite des recherches inachevées, inachevées de t'expliquer, connard, il était établi, ce qui suit. À savoir, mais n'anticipons pas. On ne sait pourquoi, à la suite des travaux de pression, et boîte ma vie apparaît aussi clairement, rempli de laveurs de pâte dans tes belles chairs. Inachevé, on ne sait pourquoi de t'expliquer, connard, inachevé. Il apparaît que l'homme, contrairement à l'opinion contraire, que l'homme empêche de t'expliquer, connard, que l'homme enfin, malgré les progrès de l'alimentation et de l'élimination des déchets, est en train de maigrir. Et en même temps, parallèlement, on ne sait pourquoi, malgré l'essor de la culture physique, de la pratique du sport, tel, le tennis, le football, la course et à pied, la bicyclette, la natation, l'équitation, l'aviation, la connaissance, le tennis, le canoë, le patinage. J'arrive au théâtre de Babylone et je tombe sur une répétition de Godot qui était joué donc par les comédiens qui l'ont créé, c'est-à-dire Pierre Latour, Lucien Rimbourg, Roger et l'acteur qui devait jouer Pozzo qui était absent. Et Roger me dit, voilà, le comédien comprend pas beaucoup la pièce, ne l'aime pas beaucoup non plus, et enfin n'a pas envie de jouer Pozzo. Il n'y avait pas d'autre solution que ce soit Roger qui joue le rôle de Pozzo, le rôle se trouvant libre, mais il fallait trouver quelqu'un pour jouer Lucky. Et Roger me dit, est-ce que tu veux ? Je lui ai dit, écoute, a priori, oui. Roger m'a donné tout le texte de la pièce, qui était déjà imprimé, parce que Lindon avait déjà publié le texte pour aider Roger à trouver un directeur de théâtre qui va bien monter la pièce. Donc, je lis la pièce. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous dire que j'ai compris immédiatement et totalement la pièce, ça serait certainement mentir. Mais en étant le plus honnête possible vis-à-vis de moi-même, je crois que je l'ai trouvé passionnant. Non, c'est pas le texte qui est étonnant, c'est plutôt l'absence de situation. C'était plutôt ça qui étonnait, parce que a priori, il ne se passe pas grand-chose dans cette pièce. Or, le texte, on y est sensible ou pas, mais si on est sensible à ce genre de texte, il fonctionne très bien. Je me suis trouvé avec ce texte de Lucky que je ne savais pas trop par quel bout prendre, dans la mesure où il raconte quelque chose qui n'est pas si incohérent que ça. Si on regarde très attentivement le texte, on s'aperçoit qu'il raconte une histoire, Lucky, qui est l'amaigrissement de la race humaine à travers les turpitudes de l'existence. Savoir en même temps parallèlement de maigrir, rétrécir, j'en prends, moi, Romain. Bref, la perte sèche par tête de pipe depuis la mort de Voltaire étant de l'ordre de 200 grammes par tête de pipe environ en moyenne à peu près. Bon, pour un chiffre en déshabillant leur mondial, c'est pourquoi. Bref, enfin, peu importe, les faits sont là. Et considérant notre part, ce qui est dans le plus grave, tu me ressors ce qui est dans le plus grave, que la lumière. La lumière des expériences en cours de Steinweg et Peterman. Il ressort ce qui est dans le plus grave, tu me ressors ce qui est dans le plus grave, que la lumière. La lumière des expériences abandonné de Steinweg et Peterman, car la campagne à la montagne au bord de la mer et des cours d'eau et de feu, l'air est le même, et la terre à savoir l'air, la terre pour les grands froids, l'air et la terre fuite pour les pierres pour les grands froids, hélas, au septième de leur air, les terres, la terre, la mer pour les pierres pour les grands froids, les grands froids sur mer, sur terre et dans les airs peu chers, je reprends, on ne sait pourquoi, malgré le délice, les faits sont là, on ne sait pourquoi, je reprends en suivant, bref, enfin, hélas, pour les pierres, qui peut en douter, je reprends, mais n'anticipons pas, je reprends la tête, en même temps, parallèlement, on ne sait pourquoi, malgré le délice, au suivant, la barbe, les flammes, les fleurs. Et puis, comme le personnage est en scène assez longtemps, sans parler, je me suis dit, c'est quand même difficile d'être comme ça, là. On peut pas regarder les copains en train de jouer la situation et puis soit ne rien faire. On peut pas non plus faire quelque chose qui détourne trop l'attention. Et puis se mettre à parler pour raconter cette logorée. Quoi faire ? Et j'ai une amie, médecin, que j'avais été trouvé, et je lui ai expliqué mon cas en disant, voilà, il y a un bonhomme qui a du mal à s'exprimer. Qu'est-ce qu'on peut lui trouver comme maladie qui justifierait cette élocution curieuse et hachée ? Et elle me dit, écoute, il n'y a qu'une chose qui puisse t'aider un peu, je vais te montrer des parkinsoniens. J'ai trouvé que c'était exactement ce qu'il fallait et je me suis dit, bon, ben, ça va être un parkinsonien. En tout cas, pas de psychologie au départ, mais la physiologie. Oui, parce que la psychologie, vous comprenez, dans un personnage comme ça, avec les mots qui sont à sa disposition, ça ne pouvait pas passer. Alors j'ai commencé à répéter en tremblant un petit peu, en tremblant de trembler, si j'ose dire, en train de me dire qu'est-ce que ça va donner. Et Roger, qui regardait ça, me dit, écoute, moi, ça me
plaît bien, mais je ne suis pas du tout convaincu qu'il faille faire ça. Et peu de temps avant la première répétition dite des couturières, on avait un décorateur qui s'appelait Sergio Gerstein et on avait besoin d'accessoires. Et comme on n'avait pas d'argent du tout, le mari de l'habilleuse était éboueur. Et comme on lui avait dit qu'on avait besoin d'une valise et de différentes choses assez défraîchies, comme ça, il nous a dit, vous en faites pas, je vais vous trouver ça. Et un soir, on l'a vu, après sa tournée du matin, il nous a ramené une splendide valise 1880 en cuir dans un état affreux. C'était effroyable. Et pour le remercier, on lui a dit, écoutez, si ça vous amuse, restez donc dans la salle pour assister à la représentation. Oh, tout en se disant bien que ça ne serait pas un critère, mais enfin, en l'occurrence, si ça en a été un, parce que quand j'ai commencé à trembler et puis à dire mon texte, l'éboueur et sa femme ont été pris alternativement d'une crise de fou rire, sa femme d'une envie de vomir, et ils n'ont absolument pas supporté ça. Et à ce moment, Blin m'a dit, alors puisque c'est ça, les réactions qu'on obtient au public, c'est obligatoirement ça qu'il faut jouer. Et c'est de là qu'est venue cette tradition de jouer Lucky en faisant un personnage égrottant, tremblotant, malade... Voilà comment c'est venu. Sam a eu l'obligeance et la gentillesse de me dire qu'il trouvait ça bien. Et il a continué à le penser, puisqu'il l'a dit à plusieurs personnes, après d'autres expériences qui ont été faites sur le personnage, car je ne prétends pas qu'on puisse pas jouer le personnage autrement. Mais cette façon-là était pour moi la façon la plus... Je trouve qu'il faut toujours au théâtre avoir une justification logique aux choses les plus extraordinaires qu'on fasse. Ça, pour moi, c'était une explication à la situation dans laquelle se trouvait le personnage. Et on a eu d'autres problèmes très similaires quand on a joué fin de partie. Et là, on a eu des problèmes de diction très particulier, posé par le texte même de Sam. Sam a écrit fin de partie pour Blin et moi. Il l'a écrit directement en français. Mais il est irlandais. Il écrit un français merveilleux, mais il pense en anglais. Et quand Sam nous a donné le texte de fin de partie et qu'on a commencé à faire des lectures avec lui, il a tout de suite marqué un petit désaccord dans la façon qu'on avait de dire son texte. On lui a demandé de s'expliquer de façon à faire ce qu'il souhaitait qu'on fît. La pièce commence par un monologue de Clove, qui était le personnage que je jouais, pendant que Ham, le personnage que jouait Blin, est au centre de la scène, assis sur un fauteuil, aveugle, avec des lunettes sur les yeux. Encore qu'on ne sache pas assurément qu'il soit aveugle. Et Clove, en l'occurrence, commence la pièce en disant « Fini, c'est fini, ça va bientôt finir », et ainsi de suite. Et Sam voulait qu'on dise « Fini, c'est fini, ça va bientôt finir. » Et au bout d'un temps, on a expliqué à Sam qu'on ne pouvait pas faussement tirer comme ça sur les syllabes, que ça donnait un jeu très stéréotypé, très particulier. Et Sam y tenait essentiellement. Un jour, en anglais, à bout d'argument, il nous a dit finish. It shall finish. Mais en anglais, c'est très logique, parce que la scansion anglaise le permet. En français, non. Parce que fini, ça ne va pas sur les syllabes françaises. On m'a dit, mais c'est ça l'amour, mais si, crois-moi, tu vois bien que... Articule. Que c'est facile. On m'a dit, mais c'est ça l'amitié, mais si, je t'assure, tu n'as pas besoin de chercher plus loin. On m'a dit, c'est là, arrête-toi,
relève la tête et regarde cette splendeur, cet ordre. On m'a dit, allons, tu n'es pas une bête. Pense à ces choses-là et tu verras comme tout devient clair et simple. On m'a dit, tout s'est blessé à mort, avec quelle science on les soigne. Assez. Je me dis quelquefois, Clove, il faut que tu arrives à souffrir mieux que ça, si tu veux qu'on se lasse de te punir un jour. Je me dis quelquefois, Clove, il faut que tu sois là mieux que ça, si tu veux qu'on te laisse partir un jour. Mais je me sens trop vieux et trop loin pour pouvoir former de nouvelles habitudes. Bon, ça ne finira donc jamais. Je ne partirai donc jamais. Puis un jour, soudain, ça finit, ça change, je ne comprends pas, ça meurt, ou c'est moi, je ne comprends pas, ça non plus. Je le demande aux mots qui restent, sommeil, réveil, soir, matin, ils ne savent rien dire. J'ouvre la porte du cabanon et m'en vais. Je suis si voûté que je ne vois que mes pieds, si j'ouvre les yeux, et entre mes jambes un peu de poussière noirâtre, je me dis que la terre s'est éteinte, quoique je ne l'ai jamais vue allumée. Ça va tout seul. Quand je tomberai, je pleurerai de bonheur. Clove. Clove. C'est ce que nous appelons gagner la sortie.